Nous sommes à Clémade, dans le deuxième arrondissement de la capitale. Devant ce point de vente du gaz butane, nombreuses sont ces personnes venues des différents quartiers de la ville. Réussir à avoir une bouteille de gaz est un parcours du combattant. Je reviens de Toukra. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne trouve pas de bouteille de gaz. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Le gaz, auparavant, on cherchait ça, c'est à 2000 francs. Le fait d'aller surveiller un gaz, c'est un problème. On est parti jusqu'à la raffinerie Djarmaya. On a trouvé ça à 2500. Ailleurs, certains boutiquiers, ils vendent ça à 3000 francs, jusqu'à 4000 francs, à 2500. Là, c'est pas bon. Le prix, c'est à 2000 francs seulement. Le président du SINASEG, syndicat national du secteur de gaz, Mamad Guida Moussa, donne les raisons de cette carence du gaz butane et propose quelques pistes de solutions. Si la demande est supérieure à l'offre, il y aura certainement des problèmes. Ça, c'est la première raison. Les gens utilisent beaucoup le gaz, mais nous, on n'a pas le produit en quantité suffisante, c'est-à-dire la raffinerie produit peu. Et raison pour laquelle le gouvernement a fait aussi de son mieux pour importer le gaz. Face à cette situation qui perdure, la population espère des solutions concrètes et définitives.